Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Loïc Mehé, je suis illustrateur jeunesse. On va parler cette semaine de Pic-tout-mou, le hérisson qui a les Pic-tout-mou, qui est mon quatrième livre aux éditions des 400 coups. Je l'ai coécrit avec Alexandra Nerodo. Pic-tout-mou, c'est l'histoire d'un petit hérisson qui a malheureusement les Pic-tout-mou et qui aimerait bien, pour séduire la belle Maya, qui elle est une vraie hérissonne, il aimerait bien trouver un moyen pour avoir des vrais pics et ressembler à un vrai hérisson. Donc on va parler de ce livre et de sa construction toute la semaine, à travers les étapes du dessin, de l'écriture, des recherches de couverture, par exemple. Et je pense qu'à la fin, vous saurez exactement comment on fait un livre. Alors, Pic-tout-mou, comment est née l'histoire? Au début, avec Alexandra Nerodo, on est amis, on aime bien prendre le matin des cafés ensemble et on aime surtout se raconter des blagues. Alexandra écrit souvent des petites histoires pour raconter aux enfants. Et puis, à force de se raconter des blagues, on a fait un peu le jeu de la surenchère, à qui fera le plus rire l'autre. Et puis on s'est dit que ce serait bien d'en faire un livre. Donc l'idée originale, c'est une idée d'Alexandra, ce petit hérisson qui a les pics tout mou. Et puis à force de chercher des solutions, c'était à qui aurait de nous deux trouverait la meilleure solution pour faire rire l'autre. On a construit ça, on a tout mis dans un livre, on a gardé les blagues qui nous faisaient le plus rire. Et puis on a proposé le projet. On est passé à la phase d'écriture et ce qu'on voulait, ce qui était important pour nous, c'est que ce soit une histoire qu'on peut raconter, qu'on peut lire aux enfants qui savent pas lire ou qui sont dans leur lit et qui n'ont pas envie de regarder forcément le livre. Donc ce qui était important pour nous, c'est qu'on puisse comprendre le texte juste en l'écoutant. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est que ce soit vivant et notamment moi, j'étais attiré par l'idée de mettre des bulles de BD, ce qui est pour le coup pas très facile à lire à haute voix. Donc on a cherché à ce que tous les dialogues soient dans des bulles pour avoir un effet visuel un petit peu différent. Et on a cherché aussi à faire des phrases. Donc par exemple, je dois trouver une solution et l'inviter à la fête, se dit-il. Donc on a mélangé le texte narratif et la BD par exemple. Donc on a eu ça toujours en tête quand on a écrit le livre. On pensait déjà à l'image en écrivant le livre. Donc l'écriture du livre a été assez longue, ça faisait longtemps qu'on en parlait, peut-être un an ou deux, j'en ai aucune idée, on s'amusait bien avec cette histoire. Et après l'écriture en soi, quand on s'est posé autour d'une table pour écrire, ça a été quelques séances de quelques jours, en 4-5 jours. Ça va assez vite à deux finalement, parce que quand il y en a un qui sèche, l'autre arrive toujours à rebondir. C'était une des premières expériences d'écriture à deux et c'est forcément beaucoup plus riche. Une fois que l'histoire était finie d'écrire, je me suis mis tout seul à mon bureau et j'ai cherché comment mettre tout ça en page. C'était un peu la difficulté, encore une fois, d'accorder le texte, les images, les parties narratives et les bulles de dialogue. Donc j'ai commencé à faire décrayonner, toujours, en écrivant même pas toujours tous les textes, en mettant les masses en place. Ensuite, une fois que ça me plaisait, j'ai fait un autre crayonné, toujours un brouillon, mais que j'ai scanné cette fois-ci, et je l'ai passé en niveau de gris pour voir vraiment ce que ça donnait. Ça commence vraiment à ressembler à la page finale, mais c'est encore un brouillon. Et ça, c'est ce qu'on a envoyé à l'éditeur, qui nous a fait ses remarques, ou pas, parfois ça dépendait des pages, et ensuite qui nous a dit, allez-y, on va faire maintenant les vraies illustrations en couleur. Alors, lorsque les pages sont prêtes au brouillon et que tout le monde est d'accord, là je commence le vrai dessin, entre guillemets, c'est-à-dire que je dessine au propre, le dessin qui à la fin sera sur le livre. Je fais un vrai dessin au crayon, tout simplement en noir et blanc, juste les contours des personnages, pas les couleurs. Ce dessin, je le scanne. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on le scanne. Et puis ensuite, je colorise à l'ordinateur avec la tablette graphique. Alors, faut pas se laisser impressionner, c'est ni plus ni moins qu'une souris en forme de crayon. Donc je fais les couleurs, donc ça ressemble à des choses comme ça à peu près. Je redessine les couleurs. Voilà. Si j'enlève le trait, on s'aperçoit que c'est juste des aplats
de couleurs. Et une fois que j'ai fait ces couleurs-là, je vais supprimer certains traits et en coloriser d'autres. C'est-à-dire que, là on peut voir, il y a certains traits, par exemple le front, le hérisson, les oreilles, les contours des oreilles du lapin, je les supprime, et d'autres, comme les cheveux de Pitou, le hérisson, qui étaient noirs au départ, je les passe en bleu. Voilà. Et puis à la fin, ça fait un dessin que je trouve du coup plus frais et moins lourd que s'il y avait tous les contours du personnage. Voilà. Et puis après, ben, on continue toute la page. Le fond, les autres personnages, tout est mis en page à la fin. Voilà. Et puis c'est une sorte de puzzle. Hein. Donc je dessine les personnages d'un côté, d'autres personnages d'un autre côté, d'autres d'un autre côté, les bulles. Voilà, je dessine tout ça sur plein de feuilles et puis sur l'ordinateur, je rassemble tout. Et à la fin, ça fait une page. C'est facile en fait. Paradoxalement, la dernière image que j'ai travaillée, c'est celle qui est la plus visible, c'est la couverture. Ce qu'on voulait, en tout cas, c'était sur cette couverture que notre petit hérisson, il ait l'air malheureux, il nous fasse pitié, il nous implore du regard. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis après, avec cette idée-là, on a cherché plusieurs idées. Alors, c'est souvent des petits détails infimes qui varient, c'est plus des questions de couleur ou de mise en page. Mais on voit que y en a tout un tas, plus ou moins flashy, plus ou moins calme. Voilà, il est parfois mis en scène ou pas. Y en a même une qui était très différente, où c'est une scène qui n'existe même pas dans le livre, d'ailleurs, qui était une autre idée. Ça nous faisait bien rire, mais c'était trop compliqué pour une couverture. Donc on l'a utilisé pour la page de garde, cette image-là, finalement. Et puis, on a envoyé toutes ces propositions à l'éditeur. Qui a choisi celle-ci en faisant quelques petites retouches, c'est-à-dire ajouter du ciel bleu. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est qu'il est un petit peu doux, il est malheureux, il est tout mou. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de contraster avec quelque chose de noir, de piquant, de dur. Et ça m'intéressait. Puis mettre du noir sur une couverture de livre pour enfants, ça me plaît bien parce que c'est pas si fréquent que ça. Voilà.